Action. Amis téléspectateurs, aujourd'hui, mardi, nous disons merci au Dieu de la vie. Tu fais qu'il nous ait gardé en vie, nous ait conservé le souffle de vie pour que nous puissions continuer à recevoir l'esprit de vie, la parole de vie, de manière à vivre en harmonie avec l'espérance de l'éternité. Le thème que nous allons aborder, analyser, le Saint-Esprit et la véracité des Écritures. Mais juste avant d'aller plus en avant, nous n'allons pas partir seuls, on va demander à Dieu de nous donner le Saint-Esprit pour nous accompagner dans l'étude de cette parole. Oui, Seigneur du ciel et de la terre, dont la majesté auguste transcende cet univers. Nous nous sentons petits devant toi. Oh, mais combien av avons-nous besoin de toi dans notre petitesse S'il te plaît, veuille saisir notre main faible et nous donner la force d'en haut pour marcher dans l'empreinte des pas de Jésus, qui nous a montré comment faire. Il s'est attaché à ta parole et il n'a fait que ta volonté. Et aujourd'hui, cette parole est entre nos mains, tout comme Jésus. Donne-nous de prendre le temps de l'étudier. Et alors que nous allons l'ouvrir, donne-nous de la comprendre. Et surtout, comme Jésus, donne-nous la force de l'appliquer afin que nous devenions irrépréhensibles, irrépro irréprochables devant ta face. Merci de nous écouter, de nous exaucer et de nous accompagner par l'Esprit Saint. Nous prions au nom de Jésus. Amen. La révélation est l'acte surnaturel par lequel Dieu révèle la vérité à des êtres humains qu'il a choisis. L'inspiration, c'est le saut du Saint-Esprit qui atteste de la véracité de ce que les auteurs humains ont écrit. De sorte que, leurs paroles ont la pleine approbation de Dieu. Dieu déteste les faux témoignages. C'est pourquoi, dans les dix commandements, il a écrit dans ses doigts, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. A plus forte raison de porter un faux témoignage au nom de Dieu. Donc, Dieu ne peut mentir et il l'a dit. Je ne suis pas un homme pour mentir. On peut lire dans Hébreu 6, verset 18, l'apôtre Paul qui dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'a fait que reporter ce que Dieu avait déclaré. Donc, Dieu est appelé le Dieu de vérité. Et on peut lire cela au Psaume 31, verset 5. Donc, on a vu que l'Esprit Saint, il est... Esprit de vérité. Jésus a déclaré qu'il est la vérité. Mais, au psaume 31, verset 5, nous lisons. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es là. La... Tu es mon protecteur. Verset 6. Je te remets mon esprit entre les mains. Tu me délivreras éternel Dieu de vérité. Donc, David, qui espérait en Dieu, savait que quand Dieu promet, il donne, il réalise. Et c'est pourquoi il dit à Dieu, je sais que tu es le Dieu de vérité, tu vas tirer mes pieds du filet. Et lorsque nous prions, nous devons nous aussi nous baser sur les promesses de Dieu pour dire... J'attends la concrétisation de cette parole. Parce que Dieu, quand il dit ce qu'il dit arrive, il veille sur sa parole pour exécuter ses desseins. Dans Ésaïe 65, verset 16, nous trouvons encore cela. Ésaïe, chapitre 65, verset 16. Celui qui voudra être béni dans leur pays, voule, voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans leur pays, jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Donc Dieu déclare lui-même qu'il est le Dieu de vérité. Et c'est tout normal que le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la divinité, soit aussi un esprit de vérité. Vérité. Et c'est pourquoi, inspirant les prophètes, ce que les prophètes ont dit constitue la vérité divine. Et nous avons intérêt à y croire, à y adhérer. De la même manière, Jésus a déclaré, c'est lui-même qui le dit, hein, dans Jean 14, verset 17 le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Et c'est pourquoi, c'est par lui, Dieu va communiquer sa volonté. Et en révélation et en inspiration, parce que ce qui sortira sera exact. Nous allons lire deux versets. Le premier se trouve dans l'Ancien Testament et le deuxième dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est le psaume 119, verset 160. Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Et on trouve des chrétiens qui disent que la loi de Dieu est abolie ou que le commandement aurait disparu. Alors qu'il est dit ici le fondement de ta parole est la vérité. Donc si Dieu est de vérité et que Dieu dit la vérité, il ne saurait dire, je vous avais dit, mais excusez-moi, je m'étais trompé, on va enlever cela. Il ne saurait plus Dieu. Et comment lui faire confiance s'il change d'idée après Dieu est de vérité et c'est pourquoi il est dit à la fin du verset, toutes les lois de ta justice sont éternelles. Voici un fondement solide sur lequel faire reposer notre vie. Et si les lois de la justice de Dieu sont éternelles, à nous de chercher à entrer en conformité avec la justice éternelle. Et c'est si vrai. Nous avons les lois physiques, les lois de la gravitation universelle. Effectivement, depuis que la terre existante, elle tourne, depuis que le soleil est là, il est clair. Depuis que l'arbre à pain est arbre à pain, on ne reçoit que des fruits tapés. On n'a jamais vu les cocos donner des mangues parce qu'il y a une loi physique qui a dit, selon ta semence, donc les lois de Dieu sont éternelles, qu'elles soient naturelles, physiques ou spirituelles. Et c'est ainsi que nous pouvons croire que nous qui faisons partie de l'univers de Dieu, nous sommes soumis aux lois de Dieu et les lois de Dieu sont éternelles parce que Dieu, il est le Dieu de vérité. Le deuxième verset, c'est Jean 17, verset 17. D'ailleurs, ce verset, il est si connu par le chrétien. les chrétiens en général. On l'a appris par cœur. Verset très court, sorti de la dernière prière de Jésus. Jean 17, verset 17. Il disait à son père Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oui, la vérité sortie de Dieu sanctifie celui qui la reçoit. Ce qui veut dire que cette parole nous met en conformité avec Dieu et va euh, mettre une certaine harmonie entre nous et Dieu. Si Dieu est saint et que nous acceptons la parole sortie de sa bouche, cette parole nous transmet la nature de Dieu. Et Dieu l'a déclaré, vous serez saint car je suis saint. Donc avec la parole, le projet de Dieu, c'est transmettre son en-dedans dans notre en-dedans. Afin que nous ayons le même en dedans, tel père, tel fils. Et ce sera la loi de la génétique spirituelle. Et c'est pourquoi ces gens appellent la parole de Dieu la semence de Dieu. Et quand Dieu plante cette semence en nous, c'est le même fruit qui va lever, la même nature. Donc, si un chrétien dit, je ne peux pas ne pas pécher, la semence de Dieu n'est pas plantée en lui. Aussi la semence a été plantée, mais c'est tombé le long du chemin. Impossible de la pousser. Mais quand Dieu dit, la chose existe. Alors, quand nous enseigne ces deux versets sur ce que Dieu nous a révélé. Et qu'est-ce que Jésus lui-même nous dit de la parole de Dieu? Donc, quand on voit ces deux choses, Jésus qui connaît Dieu, Jésus qui est Dieu, nous dit, la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, qu'elle soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu, du même Dieu, du Dieu qui ne change pas, qui ne peut mentir, c'est la vérité. On peut s'y fier, on peut s'appuyer dessus, on ne sera pas déçu. La parole de Dieu est fiable et mérite qu'on y adhère sans réserve. Ce n'est pas à nous de nous asseoir et de juger la Bible. Mais la Bible, au contraire, a le droit et l'autorité de nous juger. Car qui sommes-nous Sinon des chutés, donc des gens à corriger. La parole de Dieu est vivante, nous dit l'apôtre Paul dans Hébreu 4, verset 12. Plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des chouettures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Quand tu lis la parole, elle te condamne si tu es en défaut. Elle t'approuve si tu es en justice. Elle t'encourage si tu es faible. C'est pourquoi nous devons la lire avec une pleine adhésion. Bien entendu, la Bible a été écrite par des gens qui vivaient à une époque particulière dans des endroits et des cultures spécifiques, comment aurait-il pu en être autrement Mais nous ne devons pas prendre ce fait pour prétexte afin d'édulcorer ou de réfuter le message que la Bible nous adresse pour dire, bon, c'était leur époque, ce n'est pas notre époque, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même culture. Dieu est la vérité et il dit la vérité et la vérité est non modifiable non négociable. On dit que la vérité triomphe toujours. Si la vérité est la vérité, elle doit être reconnue pour ce qu'elle est. Dès que l'on ouvre cette porte, la Bible devient assujettie aux humains et à leurs critères pour déterminer la vérité. Donc la vérité n'est pas relative. Elle n'est pas en fonction des individus. Elle est en fonction de Dieu. Le résultat, c'est que beaucoup de gens tout en affirmant croire ce que dit la Bible rejettent certains éléments comme une création en six jours, un déluge universel, le fait que Jésus soit né d'une vierge, la résurrection corporelle de Jésus ou son retour littéral. Ce ne sont que quelques-unes de nombreuses ce ne sont que quelques-unes des nombreuses vérités bibliques avancé par des gens faillibles, assumant une portion de juge de la Bible. Aucun de nous ne devrait emprunter ce chemin-là. C'est un mauvais chemin. Car un jour, on va se trouver en face avec le juge auteur de la parole qui va remettre la parole devant nous. Et ce jour-là, entre lui et sa parole, nous aurons la bouche fermée. C'est ce que Jésus a déclaré. Ce n'est pas moi qui vous juge, mais c'est la parole que je vous ai dite. Dit. Faisons attention pour ne pas nous trouver un jour devant le juge suprême face à sa parole, puisque cette parole nous est donnée pour nous sauver, mais elle sera notre juge si nous ne sommes pas sauvés. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, pourquoi est-il si crucial? de soumettre notre propre jugement à la parole de Dieu au lieu de faire l'inverse. Pourquoi Nous avons répondu déjà à cette question tout au long de ce développement. Pourquoi est-il si crucial de soumettre notre propre jugement à la parole de Dieu Nous sommes, comme il me plaît à le dire, des organismes génétiquement mal modifié pour mourir maudit. Premier OGM de l'univers, Satan. Deuxième, il a fait nos premiers parents passer par la modification en croyant son mensonge. Et si nous continuons à croire le mensonge, nous resterons mal modifiés. Mais si nous... Permettons à la vérité de Dieu de se réimplanter en nous. Alors, cette vérité va enlever toutes les modifications du diable pour nous ramener à la vérité, à l'authenticité, donc à l'image du Créateur. Et alors, retrouvons cette image, nous allons recevoir la bienvenue par le Père sur la mer de verre. C'est mon désir pour vous. C'est son désir pour vous. C'est pourquoi la parole nous est donnée, pour que nous puissions l'étudier. Et ensemble, nous allons permettre à l'Esprit de nous guider sur le chemin du ciel en intégrant cette vérité que Dieu voudrait que nous intériorisons. Prions. Éternel notre Père, notre Dieu, tu es un dieu, le Dieu de vérité. Jésus est la vérité. Il est venu en personne pour que nous puissions voir la vérité, pas simplement l'entendre. Et il est parti, nous donnant l'esprit de vérité pour nous rappeler ce que Jésus a dit et suivre l'exemple de Jésus. Et si Jésus a appliqué ta parole et est déjà assis à ta droite, notre place est sur la mer de verre. Donne-nous la force d'en haut pour appliquer cette parole sans la discuter, qu'elle juge nos vieux sentiments, nos vieux caractères, nos vieilles habitudes, nos vieilles coutumes, et que nous puissions retrouver la culture céleste, universelle, où nous allons faire un avec toi en pensée et en action, et que nous puissions retrouver notre vraie vie, la vie éternelle. Merci de nous donner cette victoire, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.